Bonsoir, madame, messieurs. Bienvenue dans sa édition Nugget Bandit. Premier ministre trouve préoccupant qu'il y ait un rapport l'ON. L'enquête judiciaire s'il est avérée authentique, rétrovlie dans le domaine public. Premier ministre Tipi Repona, la PNQ, leader l'opposition grand matin dans l'Assemblée nationale. Exploitation pétrolière dans Bandilo, Mauricien. Marketing en vue en gaz, un partenaire pour une étude géoscientifique fin commencé. C'est ce qui fin affirme Premier ministre pendant Prime Minister's Question Time à Zodi. Blenheim Reef, c'est un récif découvrant, bizarre, traite-li, comme a fait partie la côte pertinente Maurice. C'est la vie Yuri Porkamenko qui fin présente ban argument Maurice dans ban l'audience orale Tribunal international du droit de la mer. Ban examen PESAC fin démarré en sa mardi avec ban papier français. Edeo, ban installation électrique, tu sais, en trois frappes dans Kiev, dans Ukraine. Merci, madame, messieurs, pour fidélité. Premier ministre trouve préoccupant qu'il y ait un rapport l'ON enquête judiciaire s'il est avéré authentique, rétrouve-li dans le domaine public. Pravin Kumar Jagnot fin dire si une telle fuite capable compromettre les cours de la justice et prive tout accusé qui pour capable traduire après en justice d'un procès équitable. Morstan Registrar inquiète aussi de la fuite de ce rapport-là dans le domaine public. Premier ministre Tipi Repona à PNQ, leader le position grand matin dans l'Assemblée nationale. PNQ ti axé l'enquête policière le décès Supramanian Kisnen. Pravin Kumar Jagnot fin aussi clairement souligné qu'il gouvernement souhaite aussi trouver l'auteur ou ban auteur de sa crime odieux qui fin traduit en justice et qu'ils ont payé tout ce l'acte. Entre octobre 2020 et novembre 2021, 98 dimoun fin interrogé dans le cadre de l'enquête policière le meurtre Supramanian Kisnen. Suivant ben instruction DPP, après l'enquête judiciaire dans le tribunal Moka, 17 les autres dimoun fin entendu depuis le 27 janvier 2022. L'enquête policière peut continuer et qu'il peut faire, selon le Premier ministre, conformément à ben instruction DPP. Par ailleurs, Pravin Kumar Jagnot dit qu'il est inquiétant qu'il y ait une conclusion de l'enquête judiciaire si Zot authentique destinée ZIS à DPP fin retrouve Zot dans le domaine public. Sa fuite-là, selon lui, capable et n'a pas de conséquences le cours de la justice. It is indeed a matter of great concern that such a document, if genuine, has found its way in the public domain, as the ensuing hue and cry in the media and in the opposition will certainly undermine any further investigation into the case. Moreover, the trial by the press will also undermine the course of justice and deny a fair trial to any accused who may later be brought to court. It should again be brought out that the leaked document in question is only a purported report of the findings of the district magistrate. It is not a judgment. Moreover, the leaked report, which has been the subject of so many comments and recriminations in certain sections of the media and the opposition, is neither signed nor does it bear the official seal of the district court. The authenticity of the purported report cannot therefore be ascertained. Judiciaire aussi puis inquiète-li de la fuite d'un tel document. I had raised the matter of the purported, the leak of the purported document in public with the Commissioner of Police, and as a result, there is an inquiry. And it is not only that, Mr. Speaker, sir. It is not only that I have raised it. I see that the judiciary has also raised it, because the senior registrar and regional court administrator at the Supreme Court was instructed by the master and registrar to give a declaration concerning the judicial inquiry cause number 4716/2020, which was held before Moka District Court, where learned magistrate of Moka District Court gave her findings on 22nd November 2021.
declaration as to there is an inquiry on possible leakage of the findings and documents of the district magistrate of Moka. So you see, I have raised it. The judiciary also is raising the same concern. En tant que chef du gouvernement, Pravin Kumar Jugnauth a souhaité clairement que l'enquête policière faire au plus vite et qu'il banne auteur sa crime-là traduit devant la justice. I, as Prime Minister, am as concerned as the close ones of late Mr. SK to see a speedy completion of the police inquiry in this matter. Let me make it very clear that we, on this side of the House, are also very keen to see that the perpetrator or perpetrators of such heinous crime, whoever they are brought to justice and are made to pay for their acts. Document qui fin soumette par leader l'opposition dans le Parlement, il n'a pas authentique, il n'a pas aucun manque, ni signature, comme a confirmé par speaker à l'Assemblée nationale, à propos des ban ministres Joe Lejongor, Manish Gubin et Bobby Oriram pendant une conférence de presse des ban parlementaires gouvernement en relation avec PNQ, leader l'opposition, pendant la pause déjeuner dans le bureau Chief Whip. Prenant parole pendant point de presse, ministre Joe Lejongor fin faire ressortir l'importance de la rentrée parlementaire et de la PNQ du leader de l'opposition. Selon lui, sujet qui fin abordé pendant PNQ l'est important, mais il est basé sur un document qui pas authentique. Le sujet de ce matin concernant la PNQ du leader de l'opposition est d'une importance capitale. Pour le Parlement, premièrement, mais aussi pour le pays. Malheureusement, au fil de ma question supplémentaire, le leader de l'opposition, Lin Bizin, avoué qu'il y en a en sa possession un rapport qui n'est pas authentique. Et ça, est extrêmement grave. Et il est bon que le Premier ministre, en répondant à cette PNQ, et nous ici, pareil, comme le Premier ministre Sinn Féin, nous exprimons nos sympathies à la famille endeuillée. Et nous disons samedi, nous redisons, bien faire la vérité, là, ce qui n'arrivait dans sa cala. La vérité, bien triompher. Pour ce pas, Manish Gobin finit affirmer que la presse n'est pas capable de faire du sensationnalisme dans ce document-là. De plus en plus, nous pouvons get ça document qui peut circuler, findings magistrat. Nous trouvons que c'est un extract. Les bases pas authentifié, pas signé, mais comment dire, il fait bits and pieces, une colle ensemble. Il n'est pas correct qu'il nous fait du sensationnalisme là. Et la cause, ça même aujourd'hui, tout leader de l'opposition n'est pas fin capable de déposer quoi que ce soit devant le Parlement parce que il n'est pas authentifié. Toutes les institutions dans ce pays-là peuvent prendre ça bien au sérieux. Et comme le Premier ministre finit dire dans sa réponse aujourd'hui, le judiciaire, qui est une institution totalement indépendante, le judiciaire aussi peut prendre ça très au sérieux. Et le court manager a été, comme dit en anglais, deputed by the master and registrar, pour aller donner une déclaration à la police. Code finina, un leakage d'un document officiel de la cour qui scellé par officiel de la cour. Selon Bobby Oriram, Premier ministre, titré clair dans sa réponse pendant la PNQ. Lifin aussi déclaré que la fuite d'un tel document lie un coup monté de l'opposition. Je réalise le timing dans lequel tout ça a éclaté. Quelques jours avant l'entrée parlementaire. C'est pour donner à l'opposition qui en rupture d'idées qui n'ont pas pu fonctionner, donne un petit peu sérum l'opposition.
Et ces histoires-là, nous avons déjà trouvé ça. Vous rappelez, fameux pendrive? Vous rappelez, gouvernement peut éclater pour un sniffing et na qui quantité, sorry pour l'expression, qui quantité palable, parti faire à travers le pays. Côté tes audits, côté sniffing audits, côté monsieur Singh lui-même audits, sa histoire là aussi, pareil, encore une fois, un document pas signé, pas authentifié, amené et vient faire croire qui ça même la vérité. Ma ministre finit aussi répondre à ma question de la presse. Ban membre l'opposition fin réunir dans Newton Towers aujourd'hui après-midi pendant une conférence des presse leaders l'opposition Xavier Le Duval et ban membre l'opposition parlementaire fin exprime zot le rapport magistrat Vidya Mungu Jagannath concernant affaire Kisnen la fuite des ban conclusions rapport lors sa affaire là fin aussi évoqué Paul Béranger fin de ce côté fait pas fait un appel DPP à ce qui rani dire la totalité de sa rapport public. Dans le titre multimédia, exploitation pétrolière dans Mandelo, Mauricien, marketing en vue, en gaz, un partenaire pour une étude géoscientifique fin commencée par une firme britannique avec laquelle le gouvernement fin signe un accord. C'est ce qui fin affirme Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth dans l'Assemblée nationale en samedi pendant Prime Minister's Question Time. Ça transmarque aussi par retrait Rajesh Bhagwan depuis la Chambre. L'autre speaker. Pour lancer la PMQT, une question à Vin Boulel, l'exploitation pétrolière dans une zone économique exclusive de Maurice. Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth fin répond que le gouvernement fin signe un accord avec une société britannique, CGG Services UK. L'objectif, c'est enclencher une campagne marketing pour trouver une compagnie qui est intéressée pour le projet. Following an improvement. In the state of affairs regarding the COVID-19 pandemic, CGG Services SAS is pursuing its promotional activities. Earlier this month, CGG Services SAS were at the Africa Oil Week in Cape Town, South Africa. Once CGG Services SAS has secured pre-commitment underwriting from oil and gas companies, it will then submit a request for a prospecting permit. My government firmly believes that now with a more appropriate framework, which is set out by the Offshore Petroleum Act, it will provide the necessary impetus in accelerating the development of our ocean economy and tapping the latent resources in our vast maritime zones. Puis, à la prochaine question, durant cette tranche, Pravin Jagnauth fin estimé que Rajesh Bhagwan fin faire une allégation l'ON conseiller au bureau du Premier ministre. Man remarque persistante du député du MMM fin entraîne ce retrait de la Chambre pour la séance du jour. The honorable member does not communicate any specific information. He just comes to this house and he does that regularly, just throwing something and trying to throw mud at people. If you are serious, order, honorable Bhagwan, order. There is a question. There is a reply going on. If you are don't obstruct. If you are serious and if you have the courage, repeat those allegations outside. Honorable Bhagwan, I'm gently asking you to withdraw from the chamber for the rest of the day. I have already warned you. Please withdraw from the chamber. Sergeant at arms, please. Le speaker Suroujide Fokier fin même suspend man travaux pour une dizaine de minutes afin qu'il rétablisse l'ordre au sein de l'hémicycle.
À l'heure des bonnes déclarations, au ministre des Services financiers, Mahen Sirotun, informe la Somme que la juridiction Maurice une passe des partiellement conforme à l'osement conforme à la recommandation 15 groupe d'action financière GAFI qui concerne tout un actif virtuel, une décision qui fin prend par Conseil des ministres Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group et SAMLAG. Dans Zambie, Maurice rejoint ainsi Clip Select des banques pays qui respectaient l'ensemble des banques 40 recommandations GAFI en matière de la lutte contre blanchiment d'argent et financement terrorisme, pays des seuls continents africains disposent d'un cadre réglementaire aussi complet dans sa domaine. Mahen Sirotun précise aussi que Maurice s'y présente un autre conceptuel qui fine adopté. La suite, sa journal après sa passe publicité. Nous retournons dans sa journal que nous pouvons constater là un différent relatif à délimitation aux frontières maritimes entre Maurice et Maldives. Blenheim Reef, c'est un haut fond découvrant et qu'un récif découvrant. Bizatretli, comment faire partie la côte pertinente Maurice, c'est l'avis Yuri Porkamenko. Sa conseillère juridique fin présente ban argument mauricien, zone l'ouverture des ban l'audience orale, tribunal international du droit de la mer qui s'y fait hier dans Hambourg, dans l'Allemagne. Bon détail. C'est dans Hambourg, en Allemagne, que le tribunal international du droit de la mer fin démarrer une audience le litige concernant délimitation frontières maritimes entre Maurice et Maldives dans l'océan Indien. Plusieurs conseillers juridiques fin défendre dossier Maurice, parmi Tiena Yuri Porkomenko, qui tient accès sur un argument lors de l'aspect de ces affaires-là, c'est-à-dire souveraineté Maurice lors sa partie territoire maritime et ban preuve scientifique qui tient recueillir pendant une mission à Lesagos en février dernier. Maurice insiste que, en vertu du droit applicable, le récif de Blenheim est une partie intégrante de sa côte pertinente et qu'il doit être pris en compte dans la construction de la ligne d'équidistance provisoire. Une autre intervention qui finit de retenir l'attention, c'est Dr Reza Badal, responsable département pour plateau continental. Il finit présente une donnée scientifique pour soutenir la revendication Maurice, l'ON plateau continental étendu dans la région Nord-Chagos. Les Maldives et l'archipel des Chagos sont sans conteste situés sur un seul plateau continental le long de la RLC. Les Maldives n'ont pas répondu aux moyens de preuve géomorphologiques qui se fondent sur la bathymétrie et les variations de pente des fonds scéniques sur lesquels Maurice s'est fondé dans ses écritures. Ban audience comprend un premier et second tour plaidoirie orale pour Maurice et Maldives. Premier tour qui finit de commencer hier pour terminer ce vendredi 21 octobre. Second tour pour avoir lieu les 22 et 24 octobre prochain. Nous causons à un examen PESAC qui finit de démarrer en sa mardi nevers avec ban papier français, ban parents, enfants et éducateurs. Fin prépare pour sa première jour l'examen et bien connu qui ban examen PESAC peut durer jusqu'à vendredi 21 octobre. Nouvelle, les DOA, c'est la noire dans l'Ukraine, à côte finina, ban installation électrique dans Kiev qui fin touché après trois frappes russes selon présidence ukrainienne et que ça, lendemain, qui finina, un crash avion militaire, l'ON immeuble dans les sites de la Russie, ça fin fait au moins 13 morts, parmi ina, trois enfants. Nous causons sport à cela avec cyclisme, le grand départ Tour de Lille fin donné grand matin. La première étape, c'est 127,2 km. C'est au programme entre Pau-Louis et Forbach. Il passe par Petit Raffré, Trou de Douce, Goodlands et Flac. C'est français Maxime Joly depuis Faucon Flac Sporting Club qui fin remporte l'épreuve sprint. Les fin d'évance, ban mauricien Alexandre Mer et Christophe Lagane. Donc, à l'occasion de sa grande épreuve, Tour de Lille, cyclisme 2022. Un autre événement qui polarise l'attention hier avec cérémonie Ballon d'Or 2022 qui met tout le monde d'accord. Karim Benzema fin récompensé pour ce premier Ballon d'Or. Benzégol, français qui évoluait depuis 13 ans dans Real Madrid, fin qu'on enfin sa consécration et clipé règne à cela au sommet football mondial.
Nouvelle l'étang à Stella dans Maurice. Situation générale, un divan lésé, modéré, mais soufflé dans nos régions. Prévision, beau temps à soir. Température pivoyante 14 et 16 degrés au plateau et 18 et 21 degrés au bas de région la côte. L'étang pourrait se beau demain et température pivoyante 23 et 25 degrés au plateau et entre 27 et 29 degrés, le littoral du vent sud-est 10 à 20 km par heure, la mer pour agiter, au-delà de récif avec man houle sud-ouest, démet. Marée pour haute demain 11 à 23 et 21 à 47, pour bas demain 4 à 18 et 17 à 15, soleil pour lever demain 5 à 36, soleil pour coucher 18 à 13. Madame, c'est sa zone allant créole mauricien fini ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée. Au revoir. We'll be right back.